appareils, j'ai oublié de les mettre. Il y a trop d'agitation, trop de mouvements browniens à Paris. Il y a trop de mouvements. Je perds mes repères et je pète les plombs. Revenu autour d'une table pour échanger. Déjà, lui, il a quitté la capitale. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé, on va dire, grosso modo 30 ans, 35 ans plus tard, pour retravailler à nouveau sur Clopinette? Je crois que c'est toi. Ah bon, oui, on était à Angoulême. Ah bon? Et puis, on discutait justement avec Philippe. Avec Philippe Osterman, ouais. L'éditeur de Clopinette, qui est pas très très loin. Un petit déjeuner, je me rappelle, et tu disais c'est dommage. Ah oui, on dit ça, moi. Elle très bien. Je me suis appelé. Voilà. On s'en fout. Mais alors, pour quelle raison c'est toujours vous, Nikita, qui dessinait, et Jeannet Marcel? Il refusait de dessiner ou il avait parce qu'il était paresseux. Moi, je déteste aussi travailler. Il écrivait quand même, c'est lui qui écrivait les textes. Ben, c'est lui l'intellectuel quand même. Je lui donne juste un synopsis du découpage. Plus long. Tout à l'heure, avant de commencer la rencontre, vous disiez qu'en fait, la psychanalyse vous a aidé à faire de la bande dessinée. Et les deux à la fois, parce que vous devez faire une analyse. Donc vous avez demandé une augmentation au patron de Vaillant, qui était l'ancêtre de Pierre Gatchet, pour faire le concombre, pour avoir plus de place et plus d'argent pour gagner. Et en fait, les deux se sont nourris mutuellement, finalement. Bah, oui, je crois que la psychanalyse et le concombre masqué m'ont sauvé. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements, mais chez Marcel aussi, quand même. Ah, probablement, mais peut-être moins, parce que j'en ai fait moins. J'ai fait 61 ans de psychanalyse, 76. C'est pas assez. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas des Clopinette et des Fables Express, et puis je ne sais pas qui a inventé ça. Le mot Clopinette, c'est toi. Ah bon? Oui. C'est possible, l'erreur est humaine. Bien sûr. Pourquoi Clopinette? C'est un excès d'humilité de votre part, parce que Clopinette, ça sous-entend que finalement, c'est pas grand-chose, c'est quelques petites choses comme ça. C'est de la fausse modestie. Non, ça va très bien avec... Oui, c'est des petits... Les pages, c'est des petits machins. C'est des petits machins sans... Des jeux de mots vaseux, et puis voilà. Il y a tellement de temps qui s'est passé. 40 ans de BD, c'est quand même pas rien. Et je me demande si j'ai pas atteint une certaine extrémité. Vous n'êtes pas allé au bout de tout ce que vous aviez à dire en bande dessinée? Non, j'ai plus envie, c'est ça le drame. Plus envie de dessiner, mais envie d'écrire peut-être. Peut-être, mais on verra. Et je vous préviendrai. J'espère bien que tout le monde soit mis au courant. Une fois, Goscinny m'a refusé l'histoire d'un zen auquel je tenais. J'ai dit simplement, il a peut-être raison, ça ne va pas plaire à la France profonde, mais j'en ai rien à cirer, moi je veux que ça soit publié, alors j'ai fait le canard. Mais ce n'était pas contre lui, et je comprenais tout à fait son point de vue. Et je l'ai mieux compris après, d'ailleurs, quand j'étais patron du journal, et que je voyais que quand même, on avait la possibilité de faire ce qu'on voulait, mais il fallait quand même que ça se vende. Ouais, c'est vrai que c'était... C'était l'histoire du concombre masqué, qui regardait des rochers en train de pousser, je crois que c'est ça. En disant... Concombre zen, c'était les jardins zen. Voilà. C'est une histoire pas évidente, peut-être, pour les lecteurs de... Quoique... Messieurs, juste un dernier point. Il y avait une relation très forte à l'époque entre la bande dessinée et la musique, enfin, le rock et le jazz. Il y avait un côté un peu contestataire dans les deux à la fois, en France comme aux États-Unis. Ça, vous le ressentiez ou... Parce que je sais que vous aimez beaucoup les Beatles, vous avez pas... Ah, mais moi, je sais pas si 100% des auteurs de BD étaient des dames de musique. Moi, c'est le cas. Ben, il y en a beaucoup. Oui. D'ailleurs, nous, on dessinait en écoutant. Ouais. Vous écoutiez quoi en dessinant? Oh, j'écoutais tout. Moi, j'écoutais les Rolling Stones, les Beatles. Mais celui qui m'a vraiment frappé, c'est Bob Dylan. Jeune homme. Je ne saurais pas expliquer. C'est,
ce qu'on appelle un running gag, c'est-à-dire un gag qui revient sans arrêt, et au bout d'un moment, il est censé faire rire. Mets ton micro sur la bouche. Mets ton micro sur la bouche. Voilà. C'est un running gag, c'est un gag qui revient tout le temps. Au départ, ça date d'avant la rubrique à moi, ça date de, peut-être des premières pages que j'ai faites pour Pilote, en fait. Ça s'appelait « Les grands moments historiques de la farce ». J'ai été repris dans Truc en vrac. Et donc, il avait pris une pomme sur la tête, et à partir de ce petit événement, il a déduit une loi physique très importante. J'ai trouvé que c'était marrant, c'était un genre de gag. Ouais. Donc je l'ai mis, mais sans analyser comme je viens de le faire. D'ailleurs, si vous regardez Isaac Newton dans le Larousse, il ne ressemble absolument pas à la façon dont je le dessine. When you're drowning in the waters of a shark-infested bay, give a little and whistle your cares away. When you're standing on the gallows at the dreaded break of day, give a little and whistle your cares away. Your beauty is a rhapsody, classic melody, a haunting old refrain from Mozart's Pig in Sweden. If you're trying to do the railroad and the train is on its way, give a little and whistle your cares away. Yes, darling, men go water. Of a shark-infested bay, give a little and whistle your cares away. C'est beau, on fait un homme heureux. Ouais. Bah, c'était dans Pilote en 71 en fait. Et on était plusieurs étudiants habités ensemble. On attendait Pilote religieusement. Quand ça arrivait, on se jetait dessus. Et ça contribuait à structurer mon humour, je crois bien. Et Gottlieb là-dedans ça... Bah Gottlieb, c'était... Et vous, ça vous c'était Gottlieb. Il n'y avait pas que lui, mais enfin j'aimais tout Pilote, mais Gottlieb particulièrement. Quoi. Puis après son évolution vers Fleet Glacial m'a aussi beaucoup plu. Il a osé plus, c'était très intéressant. Attention, le système nous brouille l'écoute. Ça, c'est très 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 mauvais. C'est très bon là. Hein.